Bonjour, très heureux de vous accueillir à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on finit le H75 au Digital Painting. On se retrouve après le générique. Donc sur la dernière vidéo, on s'était quitté, l'avion était quasiment terminé. Aujourd'hui, je vais faire tout ce qui est marquage, finir l'ombrage, faire le décor, le dernier 17. Donc on voit que là je commence par le dessous de l'aile avec les lignes de structure que je refais proprement, ainsi que la cocarde, donc qui est non pas tricolore sous l'aile, mais comme elle est dans l'ombre, en dégradé de gris. Donc j'ai rajouté la cocarde. En la déformant un petit peu pour qu'elle s'adapte au fuselage. Ensuite, je fais le dessous de l'aile, donc qui est dans l'ombre, et voilà, je rectifie les ombrages pour que ce soit le plus réaliste possible. Ensuite, je fais les capots de train. Un peu de driftage. Alors pour ça, j'ai créé un autre calque exprès pour le rivetage pour pouvoir gérer l'éclairage du rivetage en entier. Donc là, je saute un peu du coq à l'âne sur l'avion, je passe d'un détail à un autre. Là, on fait le moyeu de l'hélice qui est sur cet avion-là, non pas noir comme l'avion à partir duquel j'ai fait le dessin, mais la camo de l'avion de Jean-Marie Jacquard. La casserole d'hélice était aluminium. Donc je repasse un peu partout sur les ombrages, je fais des petites modifications, hein, notamment sur les ailes pour avoir une aile parfaitement rectiligne. On attaque ensuite les canons de mitrailleuse. Donc vous allez voir que là je vais en faire un parfaitement. Et après, je vais le dupliquer pour faire les 5 autres mitrailleuses. Donc voilà, donc là on travaillait les détails. Voilà, j'en ai fait une deuxième que je place comme il faut. Et je vais placer les autres de l'autre côté de l'avion. Alors pour le coup, comme elles sont pas tout à fait dans la même direction, voilà, je modifie un petit peu la direction. J'en profite aussi pour faire les deux mitrailleuses de capot moteur et rectifier un peu la géométrie du capot. Donc on a vu aussi que j'avais réduit la taille des mitrailleuses gauches, donc qui sont à droite de l'avion pour le coup, pour que ce soit à l'échelle. Donc là je fais la déco. Donc là j'ai refait encore un calque à part pour pouvoir gérer tous les marquages sans avoir à retoucher le camouflage derrière. Donc voilà, donc pour le coup, comme il n'est pas tout à fait bien aligné, je l'ai modifié après de façon à ce qu'il soit bien vertical par rapport à l'axe de l'avion. On en profite pour faire également le fanion des cigognes. Donc en faisant un peu d'ombrage aussi. Je fais un petit peu d'ombrage aussi sur la cocarde, j'en profite. Voilà. Après, j'en profite pour refaire l'ombrage, enfin peaufiner l'ombrage sur toute une partie de l'avion où ça ne me plaisait pas forcément exactement. J'affine le dessus de l'aile, voilà, pour que ce soit le plus propre possible. Là, je vais attaquer un gros travail là, sur les capots, enfin les échappements. Donc, avec un gros travail d'ombrage pour que ce soit le plus proche possible de ce qu'on peut voir en réalité. Alors je vous conseille toujours de travailler d'après des plans 3 vues et des photos, en prenant bien en compte que les photos sont toujours un peu déformées et que le juge de paix, ça reste le plan 3 vues. Voilà, on fait tous les petits détails, on en profite pour faire
tout le rivetage, les panneaux du capot moteur. Retravailler un petit peu l'ombrage, mettre un reflet bleu un peu sur un côté du capotage. Et on va attaquer les hélices. On verra après que j'y suis revenu pas mal parce que c'était pas trop correct en fait. Ensuite, j'attaque le Dornier 17, le Dornier 17 de 1940 avec un camouflage deux tons de vert, deux tons très foncés qui sont assez proches. On voit pas forcément très très bien la différence, vous le verrez plus tard dans la vidéo. Voilà le camouflage en deux tons de vert. Un vert assez sombre et plutôt gris. Et un vert profond. RM 75 et 76. Voilà, j'en profite pour replacer la queue comme il faut, qui était un peu tordue par rapport à l'axe de l'avion. Alors ça partait d'un très vieux dessin. Et les perspectives n'étaient pas forcément très très bien respectées. Donc on essaye de donner un peu de volume à l'avion. Voilà, en éclaircissant certaines zones, en éclaircissant les vitrages et en faisant. Voilà. Ensuite, je vais attaquer le rivetage. Donc je reprends mon calque de rivetage que j'avais utilisé au départ et on va refaire tous les petits rivets. Et Dieu sait que sur le H75, il y en a beaucoup. Ça rivette. Éventuellement, modifie un peu l'alignement. Donc voilà, je fais tous les rivets. On en a un certain nombre à faire sur le H-75, hein, qui était un avion américain au début des années 35-40 et qui était très très riveté, comme peut l'être un DC-3 ou un P-40. Ça donne pas mal de boulot sur ce type d'avion, sur les dessins qu'on peut en faire. Donc là, bien évidemment, le plan 3 vues est indispensable pour arriver à ne pas louper une ligne de rivet. Donc au fur et à mesure que j'avance sur les rivets, je déplace le plan 3 vues pour être au plus près et avoir un écran le plus agrandi possible par rapport à ce que je fais. Donc ensuite, je vais attaquer le rivetage et les panneaux sous l'aile. Donc là encore, beaucoup de riveté, beaucoup de rivets, beaucoup de rivetage et beaucoup de travail pour arriver à donner quelque chose qui ressemble à l'avion originel. Donc on voit que je m'y reprends quand même un certain nombre de fois et que avant d'arriver au résultat final, il y a quand même pas mal de boulot. C'est aussi l'intérêt du digital painting et l'intérêt de travailler sur un calque différent. Hein, si vous travaillez sur un calque différent, vous allez pouvoir effacer ce que vous venez de faire et recommencer. Si vous le faites directement sur votre calque de couleur de l'avion, de camouflage, vous allez devoir refaire votre camouflage pour effacer vos rivets et recommencer votre rivetage. Je vous recommande fortement de faire un calque supérieur, enfin un calque au-dessus de votre calque de couleur pour faire le rivetage. Ensuite, on passe au marquage de l'avion. Donc, l'avion de Jean-Marie Jacquard était numéroté UO51. Donc, il y a un U et un O sous l'aile droite. Le 51 n'est pas visible sous la deuxième aile. Voilà. On les estompe un peu pour que ce soit le plus propre possible.
un peu de travail sur le dessus des ailes pour les mettre bien planes et refaire un peu d'éclaircissement pour que ce soit plus joli. Les éclaircissements de panneaux pour que le rivetage ressorte bien. Pareil sur le reste du fuselage. Donc, on reprend le travail sur les hélices. Alors, les hélices, c'est une partie qui est assez compliquée. On le voit là, j'essaye pas mal de choses qui ne me plaisent pas. Et on verra que je vais y revenir plusieurs fois. Donc, ensuite, le paysage. Donc, c'est un paysage assez succinct, en ton de bleu avec un ciel dégradé. Du bleu profond jusqu'à un bleu très clair, avec une ligne de nuages que je vais faire au milieu pour faire disparaître l'horizon. Voilà, donc là encore, j'ai fait deux calques différents, un calque pour le paysage, un calque pour les nuages, que j'ai placé sous mon calque sur lequel il y a l'avion, donc sous tous les autres calques de marquage, de rivets, etc. Voilà, on commence par les couleurs les plus foncées, hein, qui sont à l'arrière-plan, et on va éclaircir au fur et à mesure. Donc on part du gris-bleu, gris-violacé, jusqu'à un gris de plus en plus clair pour arriver au final à faire des nuages blancs, dans le sens de la lumière, donc plutôt à droite du dessin. Donc on progresse tout doucement, avec un travail au crayon, enfin au crayon, au pinceau. On verra à la fin que pour finaliser les nuages, je vais passer un certain temps à travailler au pinceau mélangeur, qui permet d'avoir une texture plus fine, plus mélangée pour le coup, et d'arriver à avoir quelque chose de plus ouateux, si on peut dire, de plus nuage. Donc, au fur et à mesure que je fais le décor, je repasse aussi sur l'avion parce qu'on ça permet de mieux l'intégrer dans le paysage. Là, j'ai fait un calque de lumière sur le dernier 17 afin de l'éclairer comme il faut. J'ai mis son marquage également assez rapidement. Voilà. Donc ensuite, on travaille les nuages au pinceau mélangeur. Donc on voit que ça permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus cotonneux que la broche seule. Donc là où on travaille, on voit des fois de la granularité, comme si on avait passé un carré de pastel. Le crayon, la broche mélangeur permet de mixer tout ça et de ne plus avoir ces traits de pastel. Ensuite, j'ai fait la verrière, bien entendu, qui n'était pas encore fait. Alors, je vais y revenir. Je ne suis pas forcément le plus ordonné sur les dessins. Je vais souvent à droite, à gauche et je reviens souvent sur des petits éléments. Voilà. C'est peut-être un peu compliqué à suivre, je suis désolé. Pour le coup, vous voyez quand même une chose importante et que je répète quasiment à chaque fois, je reviens quasiment tout le temps à une vision du dessin total quand j'ai fait quelques modifs, afin de voir l'effet que ça donne sur l'ensemble du dessin. Donc voilà, ce dessin est maintenant terminé. Je vous mettrai le dessin complètement terminé, parce qu'il reste encore 2-3 petites choses, notamment le marquage sur la queue. Et j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi des petits pouces bleus pour m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de ce qui vient. Sans doute beaucoup de choses. J'ai notamment un tutoriel sur l'usage de la gomme. Je referai une deuxième partie pour mon matériel de dessin, parce qu'il y a quelques petits trucs que j'avais oubliés et que je voudrais vous montrer.
Et je ferai aussi plusieurs dessins, notamment une vidéo de dessin sur un hydravion japonais. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Surtout, encouragez-moi avec un petit pouce bleu et un abonnement. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Dessinez bien.